Bonjour à tous, en ce samedi 17 ou 18, je crois, un truc comme ça, je sais plus. Ou 16, enfin peu importe, on s'en fout. Nouvelle petite vidéo, déjà j'espère que vous allez bien tous. Donc un petit coucou à tous les abonnés, un petit coucou à tous les youtubeuses. Merci pour vos gentils commentaires qui a été mis sur la vidéo de des petits coups de pouce aux youtubeurs. Merci pour vos jolis gentils commentaires. Et moi, je suis toujours aussi fatigué. Là, je vais faire la vidéo et après je vais faire un petit dodo. Et puis on verra bien s'il y a le live ce soir ou pas. Si j'arrive à me réveiller ou pas. Tu vois, je suis fatigué. Lundi après-midi, je vais chez le médecin. Je demanderai à mon chef de partir plus tôt. Et puis j'irai voir le médecin. Comme je crois lundi, c'est tu peux y aller sans rendez-vous. Donc voilà, comme ça, il va me donner des trucs pour le mal de gorge, la fatigue et tout ça, quoi. On verra bien si on me donne. Donc là, cette petite vidéo sur Action. Je vais faire un petit tour à Action, vite fait, bien fait. Donc j'ai pris une petite loupiote comme ça, avec une petite lampe à l'intérieur. C'est du plastique, hein, bien sûr. Il ne restait plus grand chose, il ne restait plus que deux. Donc au pire, j'ai voulu y aller justement parce que je voulais voir si je trouvais les fameuses pommes de toutes les couleurs. Malheureusement, il n'y en avait pas. Je pense qu'il n'y en avait plus du tout. Donc voilà, je pense que c'était juste une période et puis voilà, il n'y en a plus. On va essayer de mettre des pipines. Par contre, je sais pas si c'est des grosses ou des petites. Apparemment, c'est des petites. Ouais, ça éclaire. C'est magique. Oui, d'accord. Et voilà, c'est clair. Donc vous avez le petit bouton là ici. Hein. Où est-ce qu'il est? Là, ici. Là. On, off. Voilà, pour allumer, éteindre, allumer. Voilà. Pour que le soir, si, pour éviter d'allumer mon truc là. Comme ça, en plus, ça a l'air de bien éclairé. Ça va, le truc, ça il chauffe pas. Franchement, nickel chrome. Voilà, c'est un genre de petit. Je sais pas comment on appelle ça. Ce truc est en verre. Il est pas mal. Je vais juste enlever ça, là, le classique là. Voilà, en tout cas, ouais, c'est sympa pour le soir. Comme Cécile, elle aime bien faire ses jeux ici dans la cuisine avec une petite lumière tamisée. Bah voilà, comme ça lui fera une petite lumière tamisée. Voilà. Ça c'était pas cher, c'était en promo, c'était à 3 euros, puis je pense qu'il devait être à 4 ou 5 euros, un truc comme ça. En tout cas, voilà. J'ai repris des sacs du Nil, les 60 litres, parce que bon, on en a, mais bon, on sait jamais. Comme je sais pas quand est-ce qu'on y retournera, donc je préfère prendre un paquet d'avance. Je me suis repris une petite bombe vernis pour mes créas. J'en ai déjà deux, mais avec celle-là, ça en fera trois. Ça, c'est pareil. Tant qu'il y en a, j'en profite pour en prendre. J'ai repris du PEC. Vous savez, celui qu'on prend d'habitude. Hein, il y a beaucoup de youtubeuses qui
Quand ils vont à Sion, ils le prennent aussi. Donc là, cette fois-ci, c'est citron et pamplemousse. Et l'autre, c'est pomme-citron. Là, ça change un peu. Donc ça, c'est 12 euros 10 poussières. J'ai pris une petite bougie pour Cécile. Style un peu fantasy, avec des petites étoiles de Noël. Voilà, ça va changer un petit peu. Bien sûr, la marque Airwick. Et c'est goût, je sais pas quoi. C'est goût, je sais pas. Pomme de pin, peut-être, j'en sais rien. C'est marqué essentiel, oui. Je sais pas. En tout cas, ça sent bon. Ça sent super bon. Voilà. J'ai pris une petite palette comme ça pour mettre en plus avec les autres petits cadeaux pour le concours des nombres d'abonnés que j'ai. Maintenant, on est monté à 1800. Donc, merci beaucoup, merci beaucoup. On était à 1780 et quelques. Et puis hier soir, Cécile m'a dit, tiens, on est monté à 1800. Ouais, c'est monté d'un coup, j'ai rien compris. Donc merci à vous tous d'avoir choisi notre chaîne des Bretons de Foufou. Donc vous êtes des amours, merci beaucoup à vous. Donc ça sera mis avec dans le lot avec les autres. Il faudra que je calcule combien j'ai parce que normalement ça devrait être bon. Je vais pas faire une quantité non plus quoi. Donc je verrai bien qu'est-ce que j'ai déjà pris déjà d'avance. Ça c'est pareil, ça fait partie du lot. C'est un genre de shampoing 400 ml à la noix de coco. Bah, pour ceux qui aiment la noix de coco, hein, vous voyez, pour changer un petit peu, hein, on peut prendre n'importe quoi hein, comme cadeau. Hein. C'est pas des trucs spécifiques machin. Alors, on peut prendre des crèmes, on peut prendre des shampoings, on peut prendre des bonbons pour faire des cadeaux, on peut prendre plein de trucs et en plus des trucs qui servent. Et comme moi je sais que moi j'aime pas manger la noix de coco, mais me laver les cheveux ou me laver avec la noix de coco, franchement j'aime bien, je kiffe. Qu'est-ce qu'il y a, Blaco? T'as mangé? Qu'est-ce que tu veux? Et ensuite, pour Cécile, je lui ai pris une grosse bougie comme ça. C'est tout nouveau. Peut-être qu'ils en avaient déjà, mais moi, c'est la première fois que j'en vois. Il y avait en noir et en blanc, c'était la dernière. Donc j'ai préféré la prendre la blanche. Effectivement, ça sent la rose. Avec un petit décor avec une petite rose là, au milieu là. Gravée dedans. Elle est en genre de. Un genre de verre, mais je sais pas comment je pourrais vous expliquer ça. C'est tout doux, quoi. C'est pas du velours, mais voilà, la matière, elle est douce. Elle est lisse. Un peu glacée, quoi. Moi, j'aime bien ce genre de truc. C'est après, une fois qu'elle est finie, tu peux la garder. Et puis, tu peux soit remettre des petits bougeoirs dedans ou une autre bougie pour mettre à l'intérieur. Ça peut être sympa. C'est pour ça, quand elle sera finie, il faudra. Quand je vais la nettoyer, je vais essayer de pas péter le fond parce que souvent c'est le fond qui casse. Enfin, pour l'instant, voilà, ça fait une petite bougie en plus pour Cici, pour sa collection. Et ça, c'était 2 euros et des poussières.
Donc voilà. Donc voilà pour le truc. Et j'ai pris aussi ça. J'ai pris ça. Voilà, c'est un genre de néon. Néon ultra bridge LED. Il est rechargeable. Tu peux le charger pendant 4 heures. Il est magnétique. Donc, tu veux dire, tu peux le coller à des. Comme les trucs sur le frigo ou sur les chaudières. Comme souvent. Parce que je sais, beaucoup de gens, ils prennent ça, c'est juste pour la carrosserie, pour leur voiture. Mais moi, comme j'ai pas de voiture. Donc, c'est pas spécifique que pour la carrosserie, quoi. Que pour la voiture. Donc, il y a plein d'autres choses que tu peux t'en servir. Par exemple, voilà, si tu fais une réparation sur le radiateur, t'as pas de lumière, bah voilà, ça, tu peux le coller sur ton radiateur. C'est pareil, si tu veux bricoler ton frigo, puis ça déconne la lumière, bah, tu peux le coller sur ton frigo. La chaudière, c'est pareil. Quand les mecs ils viennent réparer la chaudière, des fois ils ont pas de lumière ou ça éclaire pas souvent ou ça éclaire pas beaucoup. Du coup, bah, tu vas chercher ça, hop, tu l'allumes. Les mecs vont dire, voilà, ils ont peut-être pas grand-chose, mais au moins ils sont équipés. C'est bien. Au moins, ça fait de la lumière. Ça peut servir aussi pour aller à la cave. Comme nous, à la cave, notre abruti de gardien, il s'amuse à enlever les ampoules pour pas qu'on aille à la cave. Donc ça, c'est très bien aussi pour aller à notre cave. Pour aller à notre cave, c'est très bien. Et puis, comme nous, on a très peu de lumière, c'est plus des genre de petits abat-jour, c'est comme ça qu'on a. On n'a pas, on n'a pas vraiment un truc de lumière adéquate comme il y a dans la cuisine. Surtout dans la salle à manger. Comme il y a pas mal de bordel enfin, quand je dis bordel, voilà, c'est un petit peu mal rangé. J'ai tendance à mettre, et puis voilà, je me dis, je range pas ça plus tard. Donc, ça peut servir pour ça aussi. Donc, bien sûr, on va essayer de l'ouvrir avec délicatesse. Ils disent qu'il faut le recharger avec un fil, mais apparemment ils ont pas mis le fil adéquat avec. C'est gentil, c'est sympa. Ils auraient dû au moins mettre un fil là en dessous. Mais je les ai tous regardés, ils étaient tous comme ça. Hein. Il y avait strictement rien en dessous. Donc c'est soit c'est fait exprès ou bah, ils ont dû oublier mettre le fil avec. Mais bon, ça m'étonnera. Sur tous les paquets, il n'y avait rien du tout. Il n'y avait aucun fil. Donc à mon avis, bah, c'est comme ça, quoi. Donc bah, je sais pas, parce que si t'as pas le fil, si t'as pas un fil qui est adéquat à ça, bah tu l'as un peu dans le cul, quoi. Après, le problème, c'est que je sais pas.
Ah, ça marche avec USB, d'accord. C'est normal qu'il n'y a pas de fil. Ça marche avec USB. Vous voyez, ça marche avec USB. Donc je vais dire mon fil. Normalement le fil, ça va être sur un fil de téléphone ou un truc comme ça. Voilà. Voilà. Ça fonctionne avec un chargeur de téléphone. Vous voyez, il s'allume. Donc voilà la raison. Ils disent comme quoi que il n'y a pas de fil. Mais normalement, ça devrait être marqué derrière. 60 lumens, mode éclairage. 500 de luminosité, 100% de luminosité, éteint, aimant, chargeur 4 heures, autonomie 1 heure, capacité de la batterie 1200 watts. Donc bah voilà. Donc ils disent pas comme quoi qu'il faut le recharger avec une prise machin. Donc si tu fais pas gaffe, si tu regardes pas bien correctement, bah t'es comme un con. Et du coup, bah moi j'ai trouvé tout de suite quoi. Parce qu'en fin de compte, je peux changer. Je pensais c'était à pile. Waouh. Donc voilà. Attention à vos yeux. Voilà, il éclaire très très bien. C'est super. Donc ça, c'est pour. Ah oui, c'est la densité du bouton là. Vous avez un petit bouton là. Ici, vous avez un petit bouton. Vous voyez, c'est pour la densité. Fort, moins fort, et pour éteindre. Voilà, c'est un truc tout simplement. Voilà. Voilà. Donc voilà, ça peut être sympa, voilà. I'm out. Voilà, avec les aimants derrière. Voilà. Bon, mount. Donc voilà. Toc. Voilà, hop. Il éclaire bien, hein. Franchement. Ouais. Mais mount, je le vois bien. Attends, je fais des UV sur mount. Ça y est, j'ai fait 18 V sur ma route. Voilà. Donc c'est 9 euros ce bordel là. Donc je pensais qu'il y aurait une petite lumière sous le côté quoi, en plus quoi. Mais en fin de compte, non, c'est que sur le. C'est que sur le milieu. Donc voilà. Donc je suis assez content, même si 9 euros, je suis assez content. Voilà, ça fait un peu un genre de. Vous savez, les rayons laser de Star Wars. Bzz, bzz. Donc voilà, je vais le laisser. Je vais le laisser brancher. Voilà. Comme ça, il sera bien chargé. Donc voilà, d'un côté, je suis pas trop déçu. Voilà. Par contre, j'étais chercher les piles pour rien. Parce que je pensais qu'il fallait mettre des piles, mais apparemment, non. Il n'y a pas de piles. Il n'y a pas de pipiles là. Donc, si vous en voulez un, hein, dites-vous que ça s'allume par branchement, par téléphone, avec le fil du téléphone. C'est pas un fil normal, hein, pas de branche. Hein. Donc, n'allez pas vous embêter à acheter un autre fil alors que c'est un chargeur de téléphone, tout simplement. Donc, voilà pour Action. Action se termine. Bon, le seul, je crois, le truc, je peux le foutre à la poubelle, hein, parce que apparemment ça a l'air de marcher.
Quelques petites pauses, Leader Planet. Bon, c'est que j'ai pris que de la boisson. Hein. Du coup, à manger, on va manger les buns. Les buns, c'est que comme il reste encore des pommes de terre, on va faire. Je vais les couper en lamelles. Couper à lamelles et un peu persil, huile d'olive, ail. Et je vais mettre ça, je vais faire ça là, à la poêle. Là. Donc, Leader Prize, bien sûr, le cola. Le petit soda. De la badoit. Me surpris de la méga druine. J'ai pris en réserve une petite sauce italienne. Souvent, Cécile a chargé des petites sauces italiennes, donc je lui ai pris un paquet. Bien sûr, son paquet. Et du papain. Voilà. Et pour Franprix, j'en ai eu pour 5,80 €. 5,63 € et Action, j'en ai eu pour 26 € quand même, hein, 26 € et quelques, parce que voilà, c'est l'ampoule, c'est le lumière que l'on met à 9 € et quelques, donc c'est ça qui a augmenté un peu le prix. Sinon, je pense que j'en aurais eu peut-être pour 10 €, 15 € à tout casser avec tout ce que j'ai pris. Donc, ça c'est mon petit cochon. J'ai encore mal à mon bras là. Toute la matinée, j'ai eu mal au bras. Et on a reçu la nouvelle box de Katz. Donc c'est pas la Viva Katz, hein. Ça s'appelle, je sais même pas comment ça s'appelle. Hello Party, non, Hello Petit, Hello Pet, Mousse, Dog. Donc c'est pareil, c'est pour chien et chat. Hein. J'espère qu'ils sont pas plantés, ils ont pas mis pour chien, en fait, c'est pour chat. Placez le moustache dans la tête de votre poil, prenez une très jolie photo, c'est sans souci. Donc, box. Donc je sais pas, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, c'est ça, c'est Box Madwitz Log. Voilà, c'est ça. C'est la nouvelle box pour chien et chat. Mais ça, c'est français. Là-bas, c'est espagnol. Et ça, c'est français. Donc on l'a voulu aussi tester. On verra bien, hein, on verra. Bon, en tout cas. Tu pèses celle-là et tu pèses celle-là, ça c'est entre la nuit et le jour. Hein. Enfin, tu me diras, au début, celle-là, là-bas, la box normale, la Vivaca, ça a été hyper lourde au début. Et après, petit peu, ça allait. Petit à petit, elle était de moins en moins lourde. Donc, j'espère que celle-là, qu'à chaque fois qu'on la recevra, bah, elle sera aussi lourde que ça. En tout cas, voilà, je suis content. Bon, bah oui, mon bébé, c'est pour qui ça? C'est pour toi et Maout? Hein? C'est pour toi et Maout? Vous êtes gâtés, hein? Deux box à vous tout seul. Tu te rends compte? Un mon cœur. Un mon bébé, t'auras. Ce qui veut dire, t'auras double jouet. Hein? T'auras double joujou. Hein? Un mon bébé, bah oui, hein. Oh, bah oui, moi je le sens. Oh, moi je le sens. Oh, j'ai ça, c'est pour moi, ça. Donc, bah voilà. Je pense. On va faire des heureux avec Maout. Maout, c'est de Baco. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser. Parce que moi, je vais me reposer un petit peu, je vais dormir un petit peu. Et je vous fais de gros gros bisous. Donc merci de nous suivre à chaque vidéo. Merci de mettre de très gentils commentaires. C'est super gentil.
Et surtout, surtout, n'oubliez pas aller sur les chaînes que j'ai citées sur la vidéo. Surtout, n'oubliez pas d'y aller. Ça coûte rien, ça mange pas de pain. Et surtout, mettez-leur des très gentils commentaires aussi, comme vous faites avec moi. Allez, je vous fais de gros gros bisous et à une prochaine petite vidéo. Allez, ciao les loulous, je vous embrasse.